Comment avez-vous découvert le tarot? Oh, comment j'ai découvert le tarot? C'est une très longue histoire qui remonte à un peu plus de 25 ans maintenant. Je devais avoir, je pense, 7 ou 8 ans, quelque chose comme ça. Et c'était un âge où je demandais à chaque fois à mes parents des mallettes de magie. Je voulais apprendre à faire la magie. Bon, je trouvais ça extraordinaire. L'invisible, le mystérieux, c'était toujours un sujet qui m'attirait énormément, au grand dam des gens de ma famille qui trouvaient ça un peu étrange. Bref. Et en fait, un jour, en allant me balader un peu dans la famille, je tombe sur cette femme qui était une amie et qui était enfermée dans une chambre avec ma mère. Et quand je suis rentré, j'ai vu ma mère tout de suite sur la défensive en me disant: Non, non, il faut pas que tu restes là, il faut que tu sortes. Et forcément, c'est un petit peu comme lorsqu'on dit à quelqu'un, à un enfant, de ne pas mettre les doigts dans la prise, forcément l'enfant il a envie de le faire. On me disait de sortir, j'avais forcément envie de rester. Et en fait, à ce moment-là, pendant ces quelques petites secondes, je me suis retrouvé dans cette chambre. Je les ai vues toutes les deux devant ce jeu de cartes, toutes ces cartes étalées. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Pas forcément ce qui était fait avec les cartes, puisqu'elles étaient juste là, elles ne faisaient rien. Je savais même pas, j'étais même pas sûr de savoir précisément ce qui se passait à ce moment-là. Mais cette espèce de mystère, cette espèce de faut pas que tu sois là, t'as pas le droit, c'est pas pour toi. C'est extraordinaire parce que ça a complètement en fait enrobé les images que j'avais vues à cet instant-là d'une aura d'interdit et de quelque chose d'étrange. Et moi qui étais évidemment un très grand fan de Scooby-Doo à l'époque, j'étais en train de me dire, ça c'est un mystère à éclaircir. Et en fait, à force de tanner ma mère de questions et de questions, elle a fini par me répondre et puis par essayer de m'expliquer un petit peu voilà ce qui se passait à ce moment-là. Et donc cette femme, cette amie de la famille, était en train de lui tirer les cartes et que en fait ça avait pour but d'avoir des réponses sur l'avenir. Et ça a été une révélation extraordinaire, ça a été absolument épatant parce que pour moi, les cartes, à l'époque, c'était des cœurs, des piques, des trèfles, des carreaux, et puis ça servait à faire des tours de magie, voilà, aux parents entre deux repas. Et puis voilà, on disait à quelqu'un de tirer une carte, et puis comme par hasard, après deux, trois manipulations extraordinairement mal faites, que tout le monde feignait de ne pas voir, je ressortais ladite carte, qui n'était jamais la bonne d'ailleurs, au demeurant. Comme quoi, on n'est pas toujours doué avec tous les outils. Voilà, pour moi, quand j'ai vu qu'on pouvait avoir un usage différent, je me suis dit, c'est époustouflant. Moi, je viens d'une famille où on avait des moyens extrêmement limités, très très modestes. Mais j'ai quand même demandé à mes parents, je leur ai dit, est-ce que je pourrais avoir un petit peu d'argent de poche? Alors, c'était pas quelque chose qu'on faisait à l'époque, je crois que je suis le seul de ma famille à en avoir eu. Et mes parents me donnaient à l'époque, je crois que c'était 5 francs, 5 francs par mois. On n'avait pas grand-chose, puis dire, c'était l'époque des francs. Quoique ça achetait toujours plus de choses avec 5 francs à l'époque qu'avec 5 euros aujourd'hui. Et en fait, je me suis rué dans un magasin et puis j'ai trouvé le jeu de tarot que j'avais vu. Il n'y en avait pas 12 000 à l'époque, en fait, il n'y en avait qu'un, on n'en avait qu'un seul. Et c'était évidemment le tarot de Paul Marteau aux éditions Grimaud. Donc l'authentique tarot de Marseille qui en réalité n'a fait rien d'authentique. Mais comme à l'époque, moi je ne connaissais absolument pas et puis que évidemment les gens ne savaient pas non plus parce que on n'avait pas l'internet à l'époque. Donc on ne pouvait pas découvrir tous ces jeux qui avaient disparu un petit peu de la circulation et qui étaient gardés par des collectionneurs privés ou par des réserves de bibliothèques. Et donc voilà que je me retrouve devant ce jeu. Évidemment, j'ai pas l'argent pour l'acheter parce que ça coûtait très cher à l'époque. Je crois que les jeux coûtaient peut-être 200 francs, 250 francs, quelque chose comme ça, c'était extrêmement cher. Et donc je demande à mes parents, évidemment, une trentaine d'années d'argent de poche d'avance, que de bonne volonté, ils me cèdent, puisque de toute façon, c'était à une époque où je demandais rien. Je réclamais jamais rien, je me contentais de pas grand-chose, donc j'ai toujours eu des goûts assez simples. Voilà, donc voilà, je reprenais les jouets de mes frangins, parce que je suis le troisième de la fratrie, et donc je me contentais de ça. Et puis là, vraiment, j'ai insisté, je le voulais vraiment, ce jeu. Et donc, je l'ai eu. Et je me suis retrouvé catapulté, donc il y a un peu plus de 25 ans de ça, dans ma chambre avec un jeu auquel je n'ai rien compris. Rien du tout. Je crois que... Parce qu'il y avait un livret, évidemment, avec. Je crois que j'ai compris le titre.
Et j'ai réussi à retrouver les noms des cartes dans le livret. Et après, le reste, je crois que j'ai compris que la ponctuation. Le reste m'est passé à des kilomètres au-dessus. Et donc, évidemment, j'en ai rien fait. J'en ai rien fait du tout. À un détail près, c'est que, en fait, je me suis amusé à mimer les cartes. Et je me suis dit, tiens, c'est rigolo parce que je peux raconter des histoires avec. Quand je prends la pose du battleur, je sens telle chose à l'intérieur de moi. Quand je me mets dans la papesse, je sens telle autre chose. Et c'était assez amusant parce que c'était pas du tout écrit dans le livre qu'il fallait faire ça. Et puis plus tard, quand j'ai commencé à faire des premiers tirages, que j'ai découvert à quoi servait le tarot, parce que je suis allé évidemment à la bibliothèque de mon village et je suis allé chercher des ouvrages dessus. On n'en avait pas beaucoup, en réalité, il devait y en avoir deux qui se battaient en duel, et pas de la plus grande qualité non plus. Alors ça, j'ai bien appris que le battleur avait un chapeau en forme de 8 qui était... qui définissait l'infini, et ça ne m'avançait à rien. Et puis je me suis dit que bah, du coup j'allais faire autrement. Et lorsque je me suis retrouvé devant des gens et qui me posaient des questions et que je me suis dit bah tiens je vais essayer d'y répondre avec le jeu de tarot, j'ai essayé de me dépatouiller comme je pouvais. Et puis alors là ça donnait des élucubrations assez étranges parce que je sentais des choses à l'intérieur de mon corps lorsque je les mimais. Et puis bah, lorsque j'étais en face de la personne je pouvais pas la mimer, mais il me restait la mémoire, il me restait le souvenir de ce que j'avais ressenti lorsque je faisais ça, cet exercice quand j'étais dans ma chambre avec les cartes. Et puis d'un coup, ces choses-là revenaient sur le devant. Et quand j'en parlais à la personne, et ben, la personne disait, oh là là, mais oui, c'est ça qui est arrivé. Et du coup, ça prenait du sens. Et ce qui a été très très drôle tout de suite, ça n'a pas pris de temps. C'est que directement, dès les premiers tirages que j'ai faits, évidemment, je faisais ça moi aux gens autour de moi, en me faisant passer pour une espèce de magicien un peu étrange. J'avais une vénération pour Merlin à l'époque. Très étrange comme quoi. L'audace de l'âge. On s'autorise vraiment tout et n'importe quoi. Et en fait, très 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 vite, je me suis retrouvé à voir les grands frères et les grandes sœurs de ces gens-là avec qui j'avais tiré les cartes, qui venaient me voir en me disant, tu vois, tu pourrais pas faire ça pour moi et ma copine ou pour moi et mon copain, des petites questions. Puis je commençais à faire ça. Puis les parents débarquaient dans la chambre. Qu'est-ce que vous faites? Ah, c'est intéressant. Ah bah tiens, fais-moi les cartes, on va voir un petit peu si ça marche. Puis je me suis retrouvé à passer finalement des enfants jusqu'aux grands-parents et à tirer les cartes à des gens que je connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Et puis les choses ont commencé comme ça. Et c'est comme ça que j'ai ouvert la voie à la pratique du tarot. Et puis bah, ça fait 25 ans, un peu plus de 25 ans. J'ai 33 ans, donc ça fait oui, 26 ans. Et puis bah, ça m'a jamais quitté depuis.